Bon, on est mercredi. On va faire un peu de home trainer. J'ai une flemme incroyable. Bon, aujourd'hui rien de spécial. On va se faire un peu d'une heure d'endurance là, tranquille, un peu récup. On va mettre un tout petit peu d'intensité. J'ai l'estomac un peu lourd. Cet après-midi, j'amène le vélo de chrono à l'Escar. Pour la révision annuelle et à changer 2-3 pièces. La tige de sel, parce qu'elle est limite pas assez longue. 2-3 petits trucs à réparer. Donc c'est pour ça, là, je fais la séance un peu plus tôt qu'à mon habitude. Bon, ça devrait pas mal se passer. Il fait gris. Bon, c'est déjà échauffé sur le vélo, parce que je fais des réglages sur. Ma nouvelle tige de sel qu'on a dû découper ce matin. J'espère que j'ai assez découpé. Demain, normalement, justement, c'est vélo, sans borne. Après-midi, il fait beau. Puis là, on va courir 1 heure. Allez, c'est parti. Il y a du vent, il y a de la pluie, il fait froid. C'est les sorties qu'on aime, ça. Bon, mis à part que. J'arrive quasiment pas à bouger les doigts pour manipuler le téléphone portable. Mais bon, c'est comme ça. Et bah plutôt en forme. Même si j'ai une toute petite douleur au genou là. J'ai une petite douleur dans le genou droit. Je pense que c'était la suite de la douleur due à la tige de sel trop basse. Marion qui me regarde en train de me filmer. En espérant que la nouvelle tige de sel résolve ce problème et que ça s'empire pas petit à petit, sinon on s'arrêtera de courir une semaine. Bah allez, on va être parti. Dimanche, 13h37. L'attestation vient de commencer. Le bike est prêt. On va se tenter un petit 100 km. Bon, bah crevaison. Et donc rentrer à la maison, réparer. Je ne sais pas si mes chambres à air de change ont la bonne longueur de valve. Donc on va reporter le défi 100 km. Et là, on va juste s'amuser sur les routes autour de chez nous. Rester pas trop loin de la maison pour pouvoir rentrer en cas de nouvelle crevaison. Puis on va essayer de gratter un petit peu les records personnels là sur les coms autour de la maison. On a le petit Barnet. Oh là là. Un petit chat. Bon, il dort à côté de son carton, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un chat.